أفادت سفيرة اليونان أن أكثر من 1000 جزائري مقيم بطريقة غير شرعية في اليونان. السفيرة وعلى هامش تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية بين الجزائر واليونان قالت أن الجزائريين المتواجدين بالسجون اليونانية يعودوا إلى وقوع أمر ما في الحقوق المشتركة، وأن العدالة هي من تفصل، مشيرة إلى أن التعاون مع السفارة الجزائرية باليونان مستمر بخصوص إعادة المهاجرين الجزائريين المتواجدين بطريقة غير شرعية إلى الجزائر. المزيد في ميكروفون طاهر بن زين. Je peux dire qu'on a une collaboration qui se passe très bien avec l'ambassade de l'Algérie à Athènes en ce qui concerne le nombre d'Algériens en situation irrégulière en Grèce. Ce n'est pas un grand nombre, je crois que c'est dans les, ça dépasse les 1000 personnes, mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas des nombres précis. Ce sont des migrants clandestins, ils ne sont pas dans des prisons. S'il y a des personnes qui sont dans des prisons, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose en ce qui concerne les droits communs. Et là, c'est à la justice de se prononcer. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on est toujours en collaboration avec l'ambassade de l'Algérie à Athènes en ce qui concerne leur rapatriement.